الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc pour moi vraiment c'est une immense joie de vous accueillir dans cette salle, ce local qui est le centre communautaire de la fraternité de la mosquée Touba. Et le but de ce centre, alhamdoulilah, c'est de permettre à la communauté de célébrer leur cérémonie religieuse et aussi sociale. Et en même temps, de pouvoir vraiment tenir des conférences et des cours religieux aussi, car il est très important. Donc nous avions ce programme, mais nous n'avons pas défini avant la date et le jour. Et heureusement, après notre rencontre avec Oustad Dien, alhamdoulilah, avec rencontre des parents d'élèves, vous avez formulé vos souhaits de trouver un local après avoir déposé les enfants dans les écoles des enfants, et pour qu'ils puissent vraiment venir dans un endroit, attendre les cours des enfants et en même temps bénéficier aussi des enseignements religieux. Et ça, c'est très important. Nous avons trouvé vraiment que c'est une idée importante et vraiment respectueuse et mérite vraiment d'être prise en compte. Donc nous avons décidé le programme initial qui était prévu de le faire le soir de vendredi ou le soir de samedi et dimanche, de le faire durant les heures de l'école des enfants, afin vraiment qu'ensemble nous pouvons vraiment profiter. Et aujourd'hui c'est le premier jour. Non seulement vous allez pouvoir attendre dans ces locaux et vous n'aurez pas besoin de faire va-et-vient, et en même temps vous allez profiter des enseignements religieux et aussi pourquoi pas de la récompense divine. La récompense divine. Et profitez aussi de vos temps, car le temps, votre temps, car le temps est très précieux. Les gens souvent ils disent de nos jours time is money, mais en islam le temps est plus précieux que ça. Je cite ici la parole de ce érudit qui est Ibn Qayyim Jawzi, qui dit idaat al-waqt ashadd min al-maut li'anna al-maut يقطعك عن الدنيا وأهلها، أما إضاءة الوقت يقطعك عن الله والآخرة والعياذ بالله. Il dit la perte de temps est plus grave que la mort. Dans l'esprit humain, il n'y a pas quelque chose de plus grave que la mort. Mais lui dit que la perte de temps est plus grave que la mort. Pourquoi? Il dit la mort te sépare de quoi? De ce bas monde qui est éphémère et les habitants de ce bas monde, alors que la perte de temps t'éloigne de qui? De ton Seigneur. Il te fait perdre quoi? L'au-delà qui est éternel. Donc c'est très important de mettre à profit notre temps, chaque instant, chaque moment. Et c'est ça vraiment notre but. Pourquoi pas l'utiliser vraiment dans un sens aussi noble qui est l'acquisition du savoir? Car quand on regarde la religion tout entière, la religion d'Allah, qui sont le monothéisme, sont basées sur le savoir. Nous prenons par exemple un verset qui parle de Moussa alayhi salam, quand il très haut dit wa katabna lahu fil alwah min kulli shay maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudhha bi quwwah. Nous avons inscrit, nous inscrivons pour lui sur la tablette,
on connaît bien l'histoire de Moussa quand il est parti à la rencontre de Dieu, de tour de Sina, que Dieu lui a parlé direct. Il dit, nous avons écrit sur la tablette une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Il dit, tiens donc, prends-le donc fermement. Les Écritures, c'est les Écritures, parle des Écritures. On cite aussi Suleiman, Daoud et Suleiman, alayhim as-salam, quand Dieu le Très-Haut dit, « وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ » Nous avons très certainement donné à qui? À David et à Salomon une science. Et ils dirent, louange à Allah qui nous a préféré, qui nous a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Par quoi? Par la science. Par la science. Et Dieu s'adressa directement à qui? À Yahya. Ya Yahya, pose le kitab bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Il dit, oh Yahya, tiens fermement au livre. Tiens fermement au livre. Nous l'avons donné la sagesse alors qu'il était enfant. Revenons à l'islam, il est champion dans ça. Quand on regarde, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est incarnation de l'invocation, le résultat de l'invocation d'Abraham, au moment où ils élevaient les assises de la maison sacrée. Quand il dit, Abraham, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, yatlu alayhim ayatika, wa yu'allimhum l'kita wal hikma, wa yuzakihim. Innaka antal aziz al hakim. Seigneur, envoie-leur un de leur comme messager parmi eux qui fait quoi? Récite les versets. La première chose. Donc le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réciter les versets. Leur enseigner le livre. Leur enseigner la sagesse. Les purifier. Donc on voit tout tourne autour de l'enseignement. Et le professeur a dit, il ne m'a pas dit tout, mon on m'a été envoyé d'enseigner. Et Dieu, il confirme ça aussi dans notre hadith, dans notre ayah, verset Coran, quand il dit, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dieu a fait à favoriser une grande faveur, aux croyants, quand il a envoyé un de leur comme messager parmi eux, qui fait quoi? Qui leur récite les versets, et qui les purifie, qui les enseigne le livre et la sagesse. Alors que, bien qu'auparavant, j'étais dans un égarement évident. Chers frères et sœurs, on voit très bien l'importance du savoir dans l'islam. Et vraiment, c'est notre but. Pouvoir vraiment partager ce savoir et on verra vraiment l'intérêt des gens et on est vraiment déterminé de continuer ce chemin, Inch'Allah, de faire de ce centre, Inch'Allah, un endroit où va rayonner, Inch'Allah, le savoir religieux. Et je vais vous citer à la fin de cette parole qui parle de l'importance du savoir, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Man yaltamis tariqan يطلب به أو يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Dans ce hadith, il dit quiconque entreprend un chemin cherchant le savoir, Allah lui fera par ce chemin entreprendre un chemin vers le paradis. C'est-à-dire chaque chemin que tu te diriges vers ici, ce chemin-là t'amène vers où? Vers le paradis. وإن الملائكة لا تدع أجنتها لطالب العلم. Il dit que les anges baissent leurs ailes pour qui? Pour celui qui est en acquisition, celui qui est en train de rechercher le savoir. Le savoir. Donc ça c'est très important. Il dit إنه يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. Il dit tout ce qui est dans le ciel et sur la terre implore le pardon d'Allah pour qui? Pour celui qui est en train de rechercher le savoir. Nous implorons Allah qui nous faisons partie parmi ceux-là. Vraiment, c'est important. Et il dit, Fadlul alim ala al-abid,
Fadil Qamar ala sa'il nujum filet al-Badr. Il dit le mérite du savant, celui qui est en train de rechercher le savoir, sous l'adorateur, celui qui est assis en train d'adorer, celui qui est en train de. Son mérite, c'est comme le mérite de la lune sur les autres astres pendant la pleine lune. Pendant la pleine lune. La pleine lune, vois-tu une étoile? Non? Ils sont tous disparus. Pour te dire l'importance vraiment du savoir. Et il dit encore, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-ulama warsatul anbiya. Il dit que l'héritier des prophètes sont qui? Sont des savants. On vient de dire que le métier, la mission, le message, le rôle des prophètes, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner les gens, de réciter les livres, de les enseigner, de les réciter les versets, les lire le livre et la sagesse. Donc tu vois très bien, ils enseignent ça. Et celui qui fait ça, il fait le rôle, il fait le travail des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé derrière eux ni l'argent ni or. Ils ont laissé quoi? Le savoir. Celui qui en sait vraiment, il a pris quelque chose qui est très important. Et en islam, on voit, alhamdulillah, que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra, lit. C'est la base du savoir. Qui est le plus savant? Celui qui lit plus. Qui lit plus? C'est le plus savant. Il n'y a pas de miracle. Si tu veux vraiment être savant, il faut lire. Et pour lire, il faut vraiment Allah bil qalam. Il a enseigné par quoi? Avec la plume. Donc voici les outils du savoir qui est très important dans la vie de l'être humain, très important dans l'islam. Et nos prédécesseurs pieux, ils ont compris ceci, cela. Ils ont tellement compris ça, ils ont consacré toute leur vie à rechercher le savoir. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Comme Omar, il avait un voisin. Il se reliait à tout rôle. Le voisin passe un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter ce qui passe. Lui, il va vaguer sur son quotidien. Il va faire son travail. Le lendemain, c'est lui qui prend le relais. Le tour. Il écoute et après, il enseigne ça à son voisin. Donc, ils ont tellement été déterminés de ne pas manquer, de ne rien manquer. Du savoir du professeur, des enseignements du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes là aujourd'hui, alhamdulillah, nous les remercions surtout et nous sommes reconnaissants envers eux et nous devrons faire, inshallah, autant. Donc c'est pour cela que nous avons vu ensemble de tenir ce cours durant cette période afin de profiter de notre temps, de pouvoir vraiment continuer à avoir des enseignements coraniques et islamiques. Qui peut être profitable pour nous dans notre religion et surtout dans l'au-delà. Et quant au programme, nous avons deux jours, comme on sait, c'est le week-end. C'est samedi et dimanche. Tous les samedis et tous les dimanches. Chaque samedi, il y a trois cours. Et chaque dimanche aussi, il y a trois cours. Le programme de samedi, le programme, comme nous avons dit, c'est samedi, dimanche. Les cours pour samedi, il y a trois cours pour samedi, trois cours aussi pour les dimanches. Les enfants commencent 10h, à 10h. Donc nous ici, nous avons dit que nous allons commencer 10h30. C'est pouvoir permettre aux parents vraiment de se réunir. Ce qui fait que dès qu'on dépose un enfant, ici est déjà ouvert. Déjà ouvert, on peut venir s'asseoir, attendre jusqu'à ce qu'on a assez de personnes pour commencer à attendre. Les heures que nous allons vous dire, c'est vraiment provisoire. Nous avons dit qu'au début, le programme était prévu pour vendredi. Et samedi, dimanche soir, c'est grâce à votre intervention que nous l'avons ramené à samedi, le matin. Donc ça peut changer aussi. Si vous trouvez vraiment que vous voulez vraiment que ça soit 10h pile ou telle heure, nous allons vraiment contents, nous allons être heureux vraiment de faire ce que vous voulez vraiment qu'on fasse parce que l'important c'est de vous servir ensemble, de servir Allah. C'est ce qui est notre objectif. Donc c'est 30 minutes pour chaque cours car ce n'est pas un cours intensif, sinon c'est vraiment, c'est comme une salle d'attente, en même temps profiter
de ce temps-là, acquérir le savoir. Donc ce qui fait qu'on fait 30 minutes de cours, on donne 30 minutes de pause pour qu'on puisse se familiariser. C'est un centre. Donc si on a le temps, plus tard, on peut avoir un cafétéria à côté, que les gens aussi peuvent amener certaines collations, partager ça en famille. Il y a tas de choses qu'on peut faire. C'est le but, c'est ça, vraiment, c'est pour vraiment se donner la main, être en contact ensemble, se voir, se parler, échanger des idées, et c'est ça. Donc, 30 minutes pour chaque cours. La première leçon, le premier cours, c'est Tawhid, qui nous a appris de la foi. Nous avons voulu vraiment que c'est Coran qui va être le début, mais la personne qui doit donner ce cours n'est pas disponible le matin bonheur. C'est pour cela que nous allons commencer par Tawhid, après là, 30 minutes. Et ça, c'est qui peut changer. Par 30 minutes au début, pour samedi, plus à mesure, on peut vraiment changer et mettre en place d'autres cours si les besoins sont là. Après, on prend 30 minutes jusqu'à 11h. De 10h30 jusqu'à 11h, on arrête. De 11h à 11h30, assieds-toi. Bien. Jusqu'à 11h30, c'est la pause. 11h30, on commence encore. Jusqu'à midi, c'est le Coran. Midi, on prend pause. Jusqu'à midi 30. Midi 30, on revient pour Hadith. Hadith, c'est très important. C'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces hadiths, comme on va vous donner une idée, Inch'Allah, plus tard, ça ne va pas durer longtemps, ça c'est de midi 30 jusqu'à midi 45, pour pouvoir donner la chance aux gens de faire renouveler leur ablution pour la prière de 13h. Et si on trouve que vraiment la pause est très longue, on pourrait couper 15 minutes et ajouter ça à la période des cours, ou vice-versa. Donc est-ce que je peux encore reprendre, pour qu'on comprenne très bien? On va les afficher. Samedi, il y a trois cours. Ça commence 10h30 jusqu'à 11h, Tawhid, la foi. On prend 30 minutes de pause. On revient 11h. On vient 11h30. 11h30, cours, le Coran. Jusqu'à midi. On prend pause, on revient midi 30. Midi 30, on vient pour Hadith. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, le but recherché dans ce hadith, c'est de s'acquérir des mœurs et d'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'importance, le comportement du prophète. La sincérité, l'honnêteté, l'entraide, l'amour, entre nous, tout ça, c'est ce que nous voulons. Donc ça prend 15 minutes, qui peut changer plus tard. On a bien compris, c'est quoi le programme du samedi. Dimanche, c'est le même programme, période, sauf que le cours peut changer. Dimanche, on commence aussi, 10h30. Cette fois-ci, c'est fait pour jurisprudence. Okay? Et ça, on a des livres que nous avons choisis pour ça. Il y a un livre qui est là. Le livre s'appelle Al-Fiqh al-Muyassar. C'est Fiqh al-Muyassar, c'est en arabe, mais nous allons l'administrer en français, Inch'Allah. Donc c'est en arabe. Fiqh al-Muyassar, c'est un livre que je l'aime beaucoup, qui est vraiment authentique, crédible. C'est basé sur des références claires, Kitab ou Sunna, et qui ne rentre pas dans les détails qu'on n'a pas besoin, mais qui mentionne tout ce que nous avons vraiment besoin, et qui le condense. C'est condensé, vraiment. Et c'est vraiment bien comme livre. Donc il y a tous les sujets que nous aurons besoin dans notre vie, et sans vraiment exagérer. Et il prend vraiment la voie médiane qu'il faut. Donc ça, on va vraiment se baser sur ça. Ce livre. Hadith aussi, on va se baser sur le Riyad al-Salihin. Il y aura un livre spécifique. On ne va pas vraiment se conformer 100% à un livre. Mais il y a la base quand même autour de laquelle les cours vont tourner, se baser. Ça va être vraiment Riyad al-Salihin pour le hadith. Donc après ça, pour dimanche, 30 minutes,
On vient pour le Coran encore. Le Coran va être central. Le but du Coran, ce n'est pas pour vous faire mémoriser le Coran. Ça, c'est laissé à vous-même, si vous voulez. C'est pour vous pouvoir, c'est pouvoir vous aider à les lire correctement. Et cela ne veut pas dire qu'il faut que tu lis l'arabe. Non, c'est de le prononcer, la prononciation. Nous avons vraiment voulu que ce soit une personne vraiment qui est très bien dans sa Fawzi, notre frère tunisien, qui va vraiment nous donner ce cours pour nous aider à prononcer les lettres, les mots comme il faut dans le Coran. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça la base. Donc, plus tard, celui qui veut mémoriser, ça, c'est autre chose. S'il y a d'autres suggestions aussi, besoin d'en faire autant ou plus, nous serons ouverts. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont vraiment prêts à nous aider. Ils demandent seulement qu'il y a des demandes ou des besoins. Donc, le Coran, encore. Et à la fin, on revient à la place du hadith cette fois-ci, ce qu'on appelle Al-Thaqafa al-Islamiyya. C'était un cours qu'on voit rarement dans les mosquées, mais j'aurais aimé vraiment lui donner ce cours, car il est important. C'est la culture du général islamique. La culture islamique. Culture islamique, ça n'approfondit pas, ça ne prend pas un sujet en profondeur, mais ça touche tous les aspects de la religion islamique qui nous caractérise. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Il y a certaines choses que nous avons en commun avec les autres. L'honnêteté, la vérité, la sincérité. Les Québécois ou tout le monde a ça. C'est vraiment ça. C'est ça qu'il y a, ce partage. Mais vous trouverez que le but moteur, ou le moteur, l'objectif d'un musulman, c'est la foi. Il fait tout ça pourquoi? Pour chercher la face d'Allah. Donc, il y a certaines cultures qui sont très essentielles dans notre vie, qu'il va falloir vraiment qu'on les identifie, parce que c'est ces principes-là qui nous différencient des autres, qui fait de nous un musulman. En un mot, c'est notre histoire, toute une histoire de l'islam des musulmans. C'est ça vraiment, la thaqafa al-islamiyya. Donc, en ce temps, on va avoir des récits, on va avoir de certains comportements, ça peut être touché hadith, ça peut toucher le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut toucher aussi le récit des sahaba, ça peut toucher certains événements, la civilisation, tout cela. Parce que nous sommes dans un monde, comme on dit là, c'est un seul village, on est tellement mélangé, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas, c'est vraiment difficile. Donc il faut vouloir vraiment identifier les choses, pour pouvoir vraiment s'identifier en tant que musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres. C'est quelqu'un vraiment qui aime les autres. C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas en hostilité. C'est très important qu'on identifie les principes fondamentaux de l'islam qui a pour but la miséricorde entre les humains, l'entraide entre humains, la socialisation entre humains. En un mot, pour atteindre un objectif très principal, très fondamental en islam, c'est la paix. C'est la paix. Parce que quand on ne se connaît pas, on s'identifie comme il faut, on est vulnérable vraiment à certaines idées qui sont néfastes. Souvent, surtout pour les jeunes, pour la jeunesse. Donc, voici un résumé. Notre objectif, ce que nous voulons vraiment faire dans ces cours et dans cette salle, dans ce centre. Et tout ça est soumis au changement. Ça peut changer selon vos besoins, vos suggestions aussi. Donc, c'est très important. Et pourquoi on revient sur la leçon, le cours que nous devrions vraiment annoncer aujourd'hui, c'est At-Tawhid. Nous allons parler quelques minutes seulement de ça. Pourquoi nous avons choisi At-Tawhid? Inch'Allah, samedi prochain, on va vraiment commencer les cours comme il faut. D'abord, quand tu regardes les messages des prophètes, l'objectif principal des prophètes, c'est d'adorer Allah, mais ce n'est pas seulement adorer Allah. C'est vraiment de vouer un culte exclusif à Allah. Oma Umiru, illa liya'abudullah, mukhlisina lahuddin. Ils n'ont été ordonnés que de vouer un culte exclusif à Allah. Oma arsalna min qablika min rasulin, illa nuhi ilayh, annahu la ilaha illa ana, fa'abudun. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager que nous n'ayons.
recommandé, ordonné que point de dignitaire dehors de moi et adorez-moi. C'est ça le but de tous les messagers. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à la Mecque, il trouvait les gens adorer Allah. Les Quraishis adoraient Allah, mais ils associaient à Allah. Et l'association est l'acte le plus pur, le plus néfaste, le plus dangereux. Car Dieu le Très-Haut, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu me donnes d'associer, tes œuvres seront vaines. Donc imaginez-vous que tous les œuvres que la personne fait, s'il est, il y a l'association, il n'est pas pur, Dieu va tous les rejeter. C'est pour cela qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ça. L'accent sur ça, l'unicité, la tawhid, la pureté de l'adoration. Et on voit très bien que les cinq piliers de l'islam, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Point de divinité en dehors d'Allah, de Muhammad et son messager. On va aussi avec les principes. La première chose, d'abord, c'est de connaître que Allah est unique. Et adorer uniquement Allah. Donc c'est très important. Si on n'arrive pas à faire ça, l'adoration sera rejetée. Toutes les œuvres que la personne accomplit, s'il n'est pas basé sur le tawhid, sur la sincérité, sur la pureté, il va vraiment complètement le rejeter. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'az, le Jabal, à Yémen, il dit, tu arrives à Yémen, là, il y a des gens du livre. La première chose à faire d'abord, appelle-les à l'unicité, qu'il n'y a point de divinité dehors d'Allah, et que Muhammad est son messager. S'ils acceptent ça, maintenant, on va dans les détails. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, période, ça a duré combien de temps? 23 ans. 13 années qu'il a vécu à la Mecque, c'était consacré uniquement sur l'unicité. On dit, va donner zakat, ou va aller faire hajj, ou même salat. Il y avait salat, mais vraiment, ce n'était pas comme la salat comme nous. Tout c'était basé sur quoi? Sur uniquement sur l'unicité. Dieu est unique. Dieu est unique. Ne peut n'avoir peur que Allah, n'adorer que Allah, ne demande d'aide que Allah. Tout, tas de choses. Donc c'est très important. C'est quand il est arrivé maintenant à Médine, deuxième année que nous avons vu à Zakat être rendu obligatoire, somme, jeûne aussi rendu obligatoire. Mais avant, non, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que tout, le fondement d'abord, c'est la foi. Si la foi est corrompue, tout sera corrompu. Tout. S'il est sain, tout sera bon. Donc il faut vraiment travailler sur ce foi-là et essayer vraiment de voir clair qu'est-ce que foi sincère, qu'est-ce que foi corrompu. Pour pouvoir ne pas vraiment arriver l'au-delà, que Dieu nous en garde avec les yeux qui sera vraiment vain. Si tu me donnes des associés, tes yeux seront vains. Ça, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous. Donc c'est très important que l'adoration que nous faisons soit basée sur l'unicité. Et il y a aussi Arkanul Iman, les principes de la foi. Ils sont six. Antum min billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wal qada wal qadar khayrihi wa sharrihi wa khayrihi wa sharrihi. Donc il y a ça, que tu crois à Allah, les anges, aux prophètes, aux livres, destin, l'au-delà. Donc c'est très important. Et vous allez trouver vraiment que c'est des choses vraiment qui beaucoup de nous échouent. Quand tu viens vraiment, par exemple au destin, c'est rare, les gens, chacun prie, mais tu viens au destin, c'est pas beaucoup de personnes vraiment qui veulent pas être vraiment intactes dans ça. Il y a beaucoup qui échouent. Quand il y a une malheur leur arrive, souvent, il accuse d'autres personnes ou il va chercher la raison quelque part. Le destin, c'est très important. Dans l'aisance comme dans l'adversité, dans l'au-delà. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir pour pouvoir vraiment purifier son adoration, sa religion. C'est ça vraiment notre objectif. Et Inch'Allah, nous allons prendre pause pour revenir, Inch'Allah, avec Cheikh Fawzi à
à 11h30 pour le Coran. Et après ça, et midi 30, je viendrai aussi pour Hadith. Et demain, Inch'Allah, ça, on n'aura pas besoin de donner des explications sur les cours. Nous allons complètement commencer les cours comme il faut. Et ça sera vraiment ce livre qui est Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhul Muyassar, Inch'Allah. Donc nous prions, comme nous l'avons dit, que chaque pas que nous avons entrepris de venir ici nous élève d'un degré et d'autres nous efface un péché et que nous soyons parmi ceux qu'Allah va recouvrir de sa miséricorde et que les anges vont baisser leurs ailes pour nous et que Dieu nous accorde sa bénédiction. J'attends la fin.